Donc l'été, un plat estival, un aioli. Qu'est-ce qu'un aioli? À la base, c'est une sauce, une émulsionnée froide, on va dire une presque mayonnaise, et un plat convivial provençal généré par plein de légumes. Donc vous prenez les légumes du marché que vous avez. Ici, on va retrouver du chou-fleur, des asperges, des carottes, des œufs cuits durs. Donc des œufs cuits durs, en fait, très simple, vous départ à froid. Première ébullition, vous coupez votre feu, vous mettez une plaque dessus, vous attendez 10 minutes et vos œufs seront toujours parfaits. Parfait, c'est-à-dire qu'entre le blanc et le jaune, il y aura pas toujours cette pellicule bleue qui s'appelle le soufre et ça démontre qu'un œuf est trop cuit. Première chose à faire, c'est créer une purée d'ail avec votre couteau. Vous utilisez la partie la plus large de votre couteau. Donc vous écrasez ainsi l'ail. C'est un aioli, il faut en mettre, il ne faut pas avoir peur. Hein. Et ce que vous allez faire, vous allez écraser après avec votre couteau votre ail. Et vous voyez, vous créez une purée d'ail. Pommes de terre. On va l'écraser à la fourchette. Vous en faites vraiment une purée. Une vraie recette comme les mamies provençales. Là, j'ajoute l'ail qui se trouve ici. Et pareil, j'écrase, je continue. Là, je vais ajouter mon jaune d'œuf. Une cuillère de moutarde de Dijon, du sel, du poivre. Avec un léger filet, je vais monter mon aioli. C'est en train d'émulsionner, vous voyez, ça c'est en train de prendre. C'est en train de devenir beaucoup plus pâteux. Et voilà, vous voyez, il est émulsionné avec la pomme de terre. Il est absolument parfait. Maintenant, juste donner un peu de saveur aux légumes. On va prendre un peu d'huile d'olive. Vous allez parsemer comme ça vos légumes, votre poisson, de la fleur de sel. C'est beaucoup plus agréable. Parce que la fleur de sel, comme je le dis souvent, est un condiment. Ça va croquer sous la dent, ça vous amène un côté salin. De plus que votre assaisonnement normal. Et du poivre, lui aussi moulu gros. Et on est prêt à passer à table.